Salut qui est Jésus-Christ. Salut le Saint-Esprit. Il s'appelle Jésus. Tu peux encore pousser les cris de joie vers Jésus parce qu'il y a les vivants. Si tu es vivant ce soir, acclame Jésus-Christ de Nazareth parce que tu fais partie de ceux qui vivent. Amen. Si tu fais un tour dans les hôpitaux, si tu fais un tour à la morgue, tu sauras qui tu es. Amen. Voilà pourquoi à chaque instant, quand tu te réveilles, c'est une grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu, il faut profiter. Dormir est permis, mais se réveiller, c'est Dieu qui décide. Voilà pourquoi nous allons profiter, groupe musical, nous allons, pendant que les sujets sont en train de passer, on va aller en fond sonore. Tu vas dire merci à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée. D'abord, depuis l'année a commencé, Dieu n'a qu'à veiller sur toi. Il n'a qu'à te protéger. Comme une poule le fait pour ses poussins, pour ne pas que l'épervier descende, pour prendre un dedans. Mais Dieu te garde. Celui qui meurt, tu n'es pas plus important que cette personne-là. Mais c'est Dieu qui te fait grâce. Ensemble, élevons la voix, rendons grâce à Dieu pour la vie qu'il nous accorde. Dis merci à Dieu. Élève la voix, dis merci à Dieu. Père, je veux te rendre toute la gloire pour la puissance, Seigneur, de ton nom. Nous voudrons te dire merci, qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, Seigneur, et les océans rugissent devant toi. Qui est comme toi, Jésus? David le dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, mon âme te bénit. Gros musical en force sonore. Mon âme te bénit. Mon âme te lève, Seigneur. Merci en chaque instant, en chaque moment, parce que tu nous gardes, Seigneur. Merci, Jésus. Dis merci à Dieu pour ta famille. Dis merci à Dieu pour la vie de tes enfants. Dis merci à Dieu pour tes projets. Dis merci à Dieu pour le combat qu'il mène pour toi dans le secret. Dis merci à Dieu parce que chaque jour est un combat. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour voir dans le spirituel, combien de fois tes ennemis sont au jaquet, tu allais voir que ton Dieu était vraiment, il était élevé au-dessus de tout, comme il est élevé. Élève la voix, dis-lui merci. Si tu as le souffle de vie, c'est grâce à Dieu. Si tu as la force de te tenir sur tes pieds, c'est grâce à Dieu. Si tu as la force de chanter, de danser, rends gloire à Dieu ce soir. Merci Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. La vie que tu gères, c'est toi qui m'as donné. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, dis merci à Dieu. Les oiseaux, les animaux sont reconnaissants. Chaque matin, il dit merci à ce Dieu-là. À chaque instant, dis merci à ce Dieu. Si les oiseaux du ciel le font, pourquoi toi et moi qui sommes une créature de Dieu, pourquoi ne pas élever la voix pour dire merci à ce Dieu-là? Il mérite la louange. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. La situation que tu vis n'est pas plus élevée que Jésus. Dans les moments difficiles, élève ton Dieu. Dans les moments difficiles, adore ton Dieu. Dans les moments, quand ça ne va plus, tu as compté sur les hommes. Mais l'homme ne t'a pas rassuré. Mais Dieu est capable. Et confiance en ce Dieu. In the most sacred road, sign the way to Jesus prays. Loki masante lebo, shante lebo, sante lebra seke moza. Ima seke lebo, shata la ba ba ba. Dis-lui merci encore. Dis merci à Jésus. Il est mort à la croix pour toi et pour moi. On ne méritait pas de vivre, mais Dieu a permis. Ta maman pouvait enlever cette grossesse, mais Dieu a permis. Mon âme te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mon âme t'adore de ce que je suis une créature si merveilleuse, glorieuse. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. On va prier pour réclamer l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Tu vas lui chercher tes prix, viens nous conduire. Esprit de feu, de puissance. Sans toi, je ne peux rien. La force de David venait dans la présence de Dieu. Ce qui faisait sa force, c'était l'Esprit de Dieu. Il dit, ce n'est pas un esprit de timidité que j'ai mis en toi.
C'est le plein esprit de tiédeur que j'ai mis en toi. Ce que Dieu a mis en toi, c'est l'esprit de vie. Voilà pourquoi il faut manifester cette vie-là. Parce que Jésus est en toi. Christ est l'espérance de la gloire de ce que tu es. Et nous allons avoir, réclamons l'esprit de Dieu. Appelons-le ce soir, sur ce programme, dans ce quartier, dans l'atmosphère, ce soir. Réclame l'esprit de Dieu ce soir. Réclame l'esprit de Dieu ce soir, que tous les autres noms disparaissent. Réclame l'esprit de vie, l'esprit de consolateur, l'esprit de force, l'esprit de puissance ce soir. Esprit de feu, Seigneur, nous t'appelons. Viens prendre le contrôle maintenant. Sans toi, nous ne pouvons rien. Viens maintenant, Seigneur, dispose l'atmosphère. Viens maintenant par ton esprit. Prends maintenant ce contrôle. Merci Jésus, bien-aimé, continue, appelle-le ce soir. Merci. C'est toi le moteur de la vie chrétienne. C'est toi qui es l'inspirateur principal. C'est sur toi que nous voulons nous appuyer. C'est sur toi, Seigneur, que nous voulons nous référer. C'est sur toi que nous voulons, Seigneur, compter sur toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, tout chose vient de toi. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Au nom puissant Jésus. Merci pour la vie. Au nom de Jésus. Tu vas prier pour réclamer encore l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, nous sommes, la Bible dit racheter les temps, car les jours sont mauvais. Tu as bien commencé avec Dieu, mais comment tu termines? Nous avons bien commencé l'année avec Dieu, mais comment nous sommes en train de terminer l'année? Qu'est-ce qui est en train de te disqualifier? Qu'est-ce qui est en train de te décourager de la présence de ton Dieu? Tu vas te rapprocher de lui, demander l'aide de Dieu, du Saint-Esprit, viens me donner la force. J'ai perdu l'équilibre, j'ai perdu l'inspiration, j'ai perdu la capacité. Élève la voix, appelle l'Esprit de Dieu de te réveiller dans la prière. Dis Seigneur, fais de moi une flamme du feu pour que je puisse allumer les autres, pour que je puisse réveiller ma famille, pour que je puisse être une flamme du feu dans ma famille, dans mon travail, dans mes activités, pour allumer les autres. Élève la voix, réclame le feu de l'Esprit de Dieu dans ta vie, dans ta relation avec Dieu. Prie ce soir, réclame encore l'Esprit de feu, de puissance ce soir. Bien-aimé, si tu manquais la prière, si tu manquais de méditer, si tu manquais la concentration, demande à Dieu de te donner ce soir. Dis à Dieu que tu sortiras de ce programme en étant rempli du feu de sa présence. Élève la voix. Dis Seigneur, j'ai besoin de ton feu. Allume-moi pour que j'allume les autres. Faites-moi une flamme du feu. Il fait de ses serviteurs une flamme du feu. Il fait de toi une flamme du feu. Dis Seigneur, fais de moi une flamme du feu. Seigneur, fais de moi une flamme du feu, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. Le sacamo chatarababa. Inamo saye we de Jesus pray de la soutarabo shababa. Kenabo sa kebo shay. We check.